les actualités. Donc, je vous rappelle, tu l'as pas mis le code promo, tu l'as incrusté, Karine? Ouais, on l'a oublié, faut que tu le mettes. On va vous le mettre tout à l'heure. Mais donc, le code promo pour la fête des mamans qui vous donne le droit à moins 20% sur tout le site, hein, c'est jusqu'au 30 au soir. Hors collection, Easy Custo et SAL est libre. Et le code, c'est MAMAN 2021 en petites lettres, MAMAN 2021 et sans espace. Donc profitez-en, hein, c'est le moment de vous faire plein de jolis cadeaux, enfin non, d'en faire plein à vos mamans. Après, vous pouvez vous en faire à vous. Alors attendez, il est en train de... Tu l'as pas le visuel? Si, il est là. Il est en train de le prendre, je vous montre juste un instant. Qui c'est qui a eu les bras cassés? Ah, mais non, c'est pas le moment. Ah ben voilà, un chat dans l'aiguille, le code 2021. C'est tout bon, Karim? Un momento, por favor. On croyait être au top. Ah, c'est un petit oubli. Bon dia, vos vanakwilt. Je vous laisse. Déjà, Cathy, vous nous laissez, vous partez super vite. Allez, tu nous le mets comme ça, je prends la main. Oui. S'il vous plaît. Il travaille là, le Pécarim. Les dates. Ah, le 7 juin, 21 juin et 28 juin. Est-il possible d'avoir la toile imprimée, les explications de la toile, la boîte à malice hein, qui n'est plus sur le site. Tinou, il faut nous envoyer un mail sur contact@chatdanslaiguille.fr, mais les réimpressions, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà le code. Donc, c'est tout bon, je reprends la main, ok? Merci. J'ai reçu une pochette d'aiguilles avec le kit débutant, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent. Noémie, si vous avez pris une pochette d'assortiment, vous avez des aiguilles de tailles différentes en fonction du nombre de fils que vous avez enfilés dans l'aiguille, ou alors une aiguille de chaque, plein d'aiguilles de taille numéro 9, comme ça, c'est une aiguille, une aiguillée par couleur de fil. Allez, donc là, vous l'avez le code MAMAN 2021, OK? Donc, allez-y, hein, profitez-en. I remind you the promo code for the Mother's Day because in French, at the end of the month, this is the Mother's Day, which gives you the right to less 20% on the whole site, excluding the Easy Custo Collection in SAL. Bonjour desde Argentina, bonjour Liliana. Y te recuerdo el código de promoción para el Día de Madre en Francia que te da derecho a less 20% en toda la página web, excluyendo la colección Easy Custo, SAL y El Libro. Bonjour Pascal. Brasil, bon dia Elide. Alors, concernant la nouvelle collection Easy Custo, vous êtes nombreuses à nous en commander, c'est super, moi je suis ravie. Vous allez faire plein de petites persos sur vos vêtements. Alors on a décidé ce matin avec Chloé de créer un nouveau groupe spécialement dédié donc à ces kits custo. Il est d'ores et déjà ouvert et vous pouvez vous y inscrire. Simplement il y a des règles hein, comme d'hab, mais la règle essentielle. C'est de partager seulement les posts issus de la collection Easy Custo, sinon on s'en sortira pas. Donc voilà, je compte sur vous. Est-ce que les projets sur les nouveaux carnets de santé avancent? J'en ai fini deux, Pascal, et je suis en train d'en travailler un troisième. Ils seront prêts pour septembre-octobre. OK? Regarding the new Easy Custo Collection, we decided to create a new group, especially dedicated to the customizations, and it's already open, and you can subscribe in our web page, a Facebook page, and the goal is to share your works, of course, with the Easy Custo Collection. Je voulais savoir quand Salomé Licorne sort en kit. Merci d'avance, elle est trop belle. Angelina, ça va sortir mi-juin, probablement. Bon dia, Nilma. Alors, respecto a la nueva colección Easy Custo, decidamos de crear un grupo especialmente dedicado a las customizaciones y esté abierto y puedes registrarte en la page Facebook. Y el objetivo es de compartir tu labor y, por supuesto, con la colección Easy
custo des un chat dans l'aiguille. Voilà, je ne retrouve pas la broderie avec la guitare SOS. Tupen Hoffman, vous l'avez dans la collection des 15 cm. On va vous mettre un petit lien. Sandrine, elle va vous le mettre. Bondia Anete. Alors, on y va. Oh, déjà 300, waouh. Donc, une info importante. Pour des raisons de gestion de groupe, on va arrêter dès aujourd'hui les inscriptions. Donc, on arrête ce soir. Hein, les inscriptions aux trois groupes que nous avons créés il y a un an. Donc, La Fleur de Lotus, Follow Your Dream et L'Étoile de Noël. Et on va les archiver fin juin. Donc, ça veut dire... donc. On arrête les inscriptions. Et pour celles qui sont inscrites, vous avez encore un mois ou 15, 3 semaines pour télécharger les fichiers, en sachant que les vidéos, elles, resteront sur YouTube. For reason of group management, we are now stopping subscription for the first three groups created 1 year ago, the Lotus Flower, Follow Your Dreams, and the Christmas Star. So we stopped the subscription, but we keep the group until the end of July. It means you can download the files if you want. Karim, est-ce possible de réduire légèrement le rectangle des gauchères? C'est Véro qui dit ça. Ben, on peut essayer, mais ce qu'il faut, c'est que les gauchères elles puissent voir aussi. Hein. On va regarder. Bonjour Marie-Yvonne. Coucou Marie-Jeanne. Alors, por razones de gestión de grupo, ahora estamos parando los registros de los primeros tres grupos creados hace un año, La Flor de Lotus, Follow Your Dream y La Estrella de Navidad. Luego los eliminaros al final de junio. Es decir, que si tú quieres cargar los instrucciones, puedes tener tres semanas para hacer. Y los videos permanecerán en YouTube. Ok. Ah ben non, moi j'ai pas changé de lunettes, c'est les mêmes. C'est important pour nous les gauchères. Bah oui Marie, ah Marie, je voulais te remercier. Il y a des messages sur un autre groupe qui sont pas très sympas concernant un chat dans l'aiguille en ce moment. Voilà, alors ben Marie, c'est sympa de nous avoir soutenus. Mais bon, je rentre pas dans le débat, c'est difficile de plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Alors pour les nouvelles qui nous retrouvent sur ce groupe. Si vous souhaitez broder donc l'ouvrage de la roulotte, vous pouvez soit télécharger le dessin gratuitement, soit acheter sur notre site internet la toile imprimée et les fils. Et les fiches techniques seront postées en fin de matinée, le jour du live. On va faire le maximum pour les gauchères, vous inquiétez pas, voilà, si ça ne va pas. Pour qu'il n'y ait pas de débat. Je vais dire à Christelle, lorsque elle n'a pas les doigts, les mains au bon endroit, je lui dirai, pour que ce soit agréable et pour les gauchères et pour les droitières. Voilà, c'est un peu de ma faute. Les droitières ne s'inquiètent pas, elles verront les doigts de Christelle, et les gauchères ne s'inquiètent pas, je ne minimiserai pas. Voilà, on ne minimise pas les gauchères, et pour les droitières, je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien, ok? Alors, for the news which find us on this group, if you wish to embroider this trailer, you can either download the drawing for free or buy on our website the printed fabric with the thread. On te remercie, Karim. The technical sheets will be posted at the end of the morning of the day of the live. Même Dieu n'a pas plu à tout le monde. Ah oh bah ouais, hein, c'est comme ça. Hein. On fait de son mieux. Hein. Para las novedades que nos encuentran en este grupo, si desea abordar este trabajo con nosotros, puede descargar el dibujo gratis o comprar la tela impresa y los hilos en nuestro sitio web. Y las fechas técnicas se publicarán al final de la mañana del día del directo. Vous êtes 317, je vous remercie d'être là et je vous remercie de votre confiance. Muchas gracias de estar aquí y por tu confianza. Estamos 319 and thank you for your confidence. We are 318. Hello everybody! Alors, je vous rappelle que les vidéos resteront sur le groupe de la page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube.
I will manual all the video will remain on the group of the Facebook page, as well on our YouTube channel. And les recuerdo que todos los videos permanecerán en el grupo de la página de Facebook, así como en nuestro canal de YouTube. Aujourd'hui, on a 3 points. Bien sûr, vous savez que je ne vais pas les broder en totalité. Je suis la plus mauvaise des élèves. Je vous laisserai les terminer chez vous, mais moi, je vais vous montrer comment on les fait. Voilà. Et je saurai vous féliciter lorsque je verrai vos ouvrages. Je suis toujours ravie des posts que vous faites. Today, we have only 3 new stitches in this tape. Of course, I could not embroider all the line, but you will finish them at your home for the next live. And tenemos 3 puntos en este paso. Y por supuesto, no puede bordar todo, pero las terminaré en tu casa para el próximo live. Voilà. Alors, vous allez maintenant préparer vos aiguilles. Hein, vous avez eu la fiche technique. Moi, j'ai pris ma petite pochette. Karine, si tu veux bien enlever, on va enlever un petit peu de netteté. Je vais vous montrer ce que j'ai dans ma pochette. Je vous l'avais montré l'autre fois. Hein, moi, j'adore celle-ci. Je suis en train d'en préparer des nouvelles. Donc, vous ouvrez votre petite trousse à broder. Vous allez prendre, hop, votre cercle, vous aurez... Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Claire dit, profitez, on ne broie pas, donc likez. Ah oui, c'est vrai, il faut liker. Je compte sur vous pour liker. Je le dirai en anglais, en espagnol après. Necesitamos un bastidor de 10 cm. You need to have a hoop of 10 cm. Les petites aiguilles pour broder. Une aiguille par fil de couleur, c'est super. The needles, you need one needle for each color, it's easier. Necesitamos una aguja para un color, es muy perfecto. De quoi nous avons besoin aussi? Nous avons besoin de los pequeños scissors, de nos tout petits ciseaux. Et regardez, aujourd'hui, j'ai pris le temps d'enfiler les fils de la roulotte hein, sur son los colores de la caravana sur notre trifil. Et c'est juste trop beau. Those are colors of the trailer. Voilà. On y va. Allez, les copines, on y va. Oui, Nadine, on y va. No se olviden de dar a me gusta. Oui, Annie, no se olviden de dar a me gusta, por favor. Ouais, les nouvelles pochettes, mais nous, c'est pour bientôt. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, on va prendre un kit débutant pour vous montrer toujours comment se composent nos kits. Hein. We are going to see how it's happened with the kit. Vamos a ver cómo es preparan los kits. Donc, vous avez toujours ici ce que vous avez, le contenu du kit hein, pour les nouvelles. All what you need inside the kit. And todos los accesorios que tenemos en el kit. Ici, le niveau. The level and the el niveles. Je vois que vous vous répondez. C'est trop bien. Vous ouvrez votre kit. NL kit. Inside the kit. Vous avez la toile imprimée avec l'aiguille. La tela impresa con la agora de tamaño 9. L'aiguille numéro 9. The printed fabric with the needle size 9. Les fils DMC. The DMC thread, hilos DMC. Vous avez toujours à l'intérieur de votre kit les explications en français et en anglais. On est en train de travailler sur l'espagnol. Inside the kit, you have everything all instructions in English, in Spanish, in French, and as soon as possible in Spanish also. And tenemos las instrucciones en francés, en inglés, y pienso un pequeño tiempo en español también. Vous avez la totalité des points pas à pas, avec des dessins et des textes, et bientôt des QR codes aussi, comme ça vous aurez un accès direct à tous les points pour chacun des kits. Las instrucciones en francés, en inglés, y en español pienso por el mes de septiembre con el código, comment est-ce qu'on dit, el QR code.
2 or 3 meses, and you have all explanation in French, in English, step by step, and as soon as possible in Spanish also, and with the QR code. Je crois que j'ai tout dit. Le petit nuancier ici, the chart color et la carta de color para separar los silos, pour bien séparer vos fils. Voilà, j'ai bien compris la présentation. Oui, Marie-Odile, c'est une aiguille numéro 9. Aurions-nous le plaisir, Christelle, au Salon de Nantes. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Mais oui, je viens d'être contactée par l'aiguille par création et savoir-faire. Je vous donnerai les dates. Normalement, au mois de novembre, ça y est, les salons devraient reprendre. Tengo una información por la feria de creación y savoir-faire en noviembre. And I have news for the fair of November in French, creación et savoir-faire. Alors là, je prends un big stand. Comme ça, vous pourrez toutes venir, on fera des coucous. On pourra, non, se toucher, je crois pas. Hein, mais en tout cas, voilà, on aura le plaisir de se voir. J'espère, hein, on croise les doigts pour que ça tienne. Alors, aujourd'hui, nous allons broder l'étape 2 de notre petite roulotte. Es el tiempo de ver la etapa número 2, the step 2. Alors, nous allons donc faire le toit, the roof, et les petits pots de fleurs ici avec les fleurs. Donc, le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la roue festonnée. We are going to see the buttonhole wells and we vamos a ver la rueda festonada. Et nous allons prendre la couleur 666, the color 666 and el color 6. C'est le rouge, hein. Voilà, ici, ok? El rojo, the red color. Je ne sais pas trop pour l'instant, je ne sais pas. On va essayer de se concentrer sur le gros de Paris, après on verra si on en fait d'autres. Il va falloir qu'on se remette en route au fur et à mesure, mais on va faire quelques salons. Voilà. On se verra à Paris. Ouais, bonne nouvelle, ça nous manquait. En Nantes, c'est en septembre. Je ne suis pas sûre qu'en septembre, ce soit prêt les salons, hein, mais on verra. Alors, pour les débutantes aujourd'hui, avant de commencer la démonstration, je souhaite vous montrer comment on utilise le cercle à broder. Il est très important. Before starting the demonstration, I need to show you how we use the hoop. Antes de comenzar la demostración, tengo que mostrarle cómo usamos el bastidor. Alors, vous prenez cette partie du cercle que vous placez derrière. You take this part behind the fabric. Colocas esta parte detrás de la tela. Voilà. Vous allez mettre donc l'endroit que vous devez broder au centre, à peu près au centre du cercle. El dibujo que vamos a bordar en el centro. The draw on the center. Ensuite, vous allez positionner la partie métallique sur le dessus, juste ici. You take the part, this part with the screw to fix the fabric on the top, ok? And la parte metálica, perdone, en el frente de la tela, ok? Donc le cercle pour les débutantes, il est indispensable. Si vous savez broder sans, allez-y. Sinon, si vous ne savez pas broder, prenez l'habitude de l'utiliser, ok? Alors vous allez prendre. On va commencer avec les fils, évidemment. Je vais faire la première démonstration pour les débutantes. Oui, il n'y aura pas que Paris, Elisabeth, on verra. On demande la date de Paris. Je vous la donnerai bientôt, on va poster rapidement, c'est sur le mois de novembre. Hein. Et à Nantes aussi, Odile, ouais, je ne sais pas si ça va être OK pour septembre. Alors, on y va. Vous savez que les fils DMC sont composés de 6 brins, vous avez 6 brins. Ici, so you have 6 threads in one big one, and un hilo c'est composé de 6 hebras. Alors on va prendre juste un fil, ok? You take only one, and te llevas solamente uno. Vous allez
pliez votre cercle, votre fil en deux parties. You fold it in two parts and doblar por la mitad y pasar. Y vamos a pasar los dos extremidades en la agora. Je vais faire un point sur les salons rapidement. Vous passez les deux extrémités du fil dans le chat and you pass the two extremities inside the needle. Donc, vous avez bien les deux extrémités ici et la petite bouclette ici, ok? Alors, vous remontez un peu, hein? Voilà, il faut que le retour soit assez court. So, you have the two extremities over there and the loop here. And tenemos los dos extremidades aquí y la bucleta por aquí, ok? Je montre, oui, on va voir la roue festonnée. Alors, on va commencer par la roue festonnée. Vous allez, on va faire hop, un peu de, je vais grossir le champ et on va y aller avec les gauchères aussi si tu veux bien. Et je vais essayer de faire le maximum pour les droitières. Salut Marie, bonjour. Alors, on y va. Pour les gauchères aussi, je vous attends. J'attends Karim. Allez, ça veut dire que si je reste là, tout devrait bien se passer. Alors, on va d'abord bloquer le fil sur l'arrière. Vamos a bloquear el hilo detrás de la tela. And we are going to secure the thread. Alors, vous allez sortir le fil sur le contour extérieur. You bring the thread to the front. And sacar el hilo en el contorno. Vous allez piquer juste à un fil. Ok, vamos detrás la tela and we go down at one hilo. Vous tournez et vous passez à l'intérieur. You pass inside the loop et pasamos dentro el buclete. Ok, ensuite, vous allez bien donc sortir sur l'extérieur du cercle, enfin, sur le cercle ou juste à l'extérieur. Donc, ce point, ce travail de la gauche vers la droite, we are going to work from left to right pour les droitières, donc pour les gauchères, c'est le contraire. Y vamos a bordar de la izquierda por la derecha y el contrario por las zurdas. C'est tout bon pour tout le monde? Donc, vous gardez bien le fil sous le pouce. You keep the thread under the left thumb and mantega el hilo de barro del pulgar. Vous allez piquer au centre. You go down at center and pinchas en el centro. Et vous allez sortir juste à côté. Vous voyez, il y a peut-être un ou deux fils du premier fil. You emerge your needle a short distance along the outline and luego saque la agora en el contorno exterior junto el primero punto. Ok? Alors, vous allez repiquer à l'intérieur puis sortir à l'extérieur. You repeat the same. Repita el mismo. Et donc, pour les débutantes, à chaque fois, hein, vous voyez l'aiguille passe au-dessus du fil. Vous allez à chaque fois tirer vers vous, comme ceci, au ras de la toile. Vous voyez, mon fil, il n'est pas vers le haut, il est au ras de la toile, toujours. Et vous gardez toujours le fil sous le pouce pour maintenir la tension. So, you go inside the center, emerge on the circle, you pull towards you gently and keep your thread under the left thumb to keep the tension. Alors, en espagnol. Je peux essayer de faire un zoom. Ah oui. Mais si je fais le zoom après, c'est compliqué de... Ah, tu vas y arriver. Ça va là? Perfect. Ok Nadine, vous êtes dur, hein, vous voulez tout. Je vais essayer de vous garder, d'être bien centré pour que et les gauchères et les droitières puissent voir. Alors, vamos en el centro, salir en el contorno.
¿Ok? Y tire hacia usted al ras de la tela y luego mantenga el hilo debajo del pulgar para mantener la tensión. Alors, progressivement, le cercle va se recouvrir par les points. OK? Little by little, it will cover all the circle. Y poco a poco, el círculo se irá corriendo por los puntos. Non, il n'y a pas de problème, Nadine. C'est juste que j'ai peur de mal faire, en fait. Voilà. Alors, vous pouvez espacer les points hein, ou les broder proches les uns des autres. Moi, j'aime bien quand on voit la toile en dessous. You can let some space between stitches or make them close together. Y puede espaciar los puntos o bordarlos cerca uno de el otro. Depende de lo que tú quieres. Voilà, alors on va continuer jusqu'au bout. Oui, Marie-Hélène, moi je laisse un espace, mais si vous souhaitez, on va en faire une autre avec moins d'espace, comme ça vous pourrez vous rendre compte, hein. On continue. Voilà, et maintenant, nous allons broder le dernier point. We are going to embroider the last stitch and vamos a bordar el último. Oui, on va le faire, Odile, on va les serrer plus, hein. Alors, pour le dernier point, vous allez sortir l'aiguille dans le premier point. Regardez juste de là, à l'endroit où le fil du premier point sort. OK? Alors, for the last stitch, you emerge on the first stitch. And para el último punto, saque la aguja en el último orificio. Vous tirez bien vers vous. Just pull towards you, tirez para ti. Et vous allez piquer entre le premier et le deuxième point, dans l'espace entre le premier et le deuxième point et au plus près du contour. Alors, je vais essayer. Est-ce que on peut faire de la netteté là? Ouf, 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 je bouge plus. Est-ce que vous voyez? Voyez où j'ai piqué? So you just go down between the first and the second stitch as close as possible of the outline. And luego pinchas entre el primero y el segundo punto, el más al lado del contorno. Ok, j'ai appris que pour bien remplir, on alterne un long et un petit point. Je ne sais pas, Marie-Claude, moi je ne sais pas ce que je fais. On peut faire un point de nœud au milieu? Bah oui, bien sûr, vous pouvez. Alors, vous allez tirer. Et là, votre roue est réussie. Ok? Alors, pour arrêter, je veux bien que tu refasses un peu de netteté. On va embroder une deuxième. Hein. Vous allez passer deux fois. Just to block it, you pass between the previous stitches and por rematar, pasamos dentro los puntos. Et vous coupez. Peut-être que Marie-Claude, vous parlez du passé en piétant, mais pas de cette point. Ouais, je vois, Odile, que ça vous pose un petit souci aussi. Voilà, ça c'est notre première. Alors maintenant, on va aller faire l'autre plus petite. Est-ce que c'est la même couleur d'ailleurs? Je vais vérifier. Oui. Et on va essayer de broder en faisant des points beaucoup plus serrés. Je pense qu'on a besoin d'un peu de netteté. Bonjour Julie de Moscou. Pas mal pour la grande débutante que je suis. Super Noémie. Je suis contente si vous y arrivez. C'est cool. We are going to make the other one, but with the stitches very close, comme on dit les uns des autres. Together, and vamos a bordar aquí con puntos muy juntos. Alors, puisqu'on a une débutante, Noémie. Ah, Karim, tu me feras penser, on a une question à poser à toutes ces dames, il faudrait qu'elles nous répondent. On voudrait savoir comment vous avez connu un chat dans l'aiguille. On est en train de faire une petite étude. Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par une amie? Est-ce que c'est par un groupe? Alors, ne répondez pas là, mais si vous pouvez, comment vous pourriez répondre? On va réfléchir.
on va réfléchir. Ou alors, si, vous pouvez répondre peut-être là ou nous envoyer un petit mail juste. Ou alors, on fera un sondage sur Facebook. Un sondage, c'est ça. Ouais. Ça sera plus participatif. Ouais, on fera un sondage alors. Allez, on y va. Pour débuter, pour celles qui débutent, para las principales and a few for the beginner. Regardez, j'ai coupé le fil là. J'ai plus de... Donc, j'ai plus ma petite boucle. Hein. J'ai bien mes deux fils à l'extrémité. C'est pas un nouveau fil, hein. Non, c'est pas un nouveau fil, hein. Ce sont les mêmes. Ok, Noémie, voilà, c'est pour les utiliser. Alors, regardez, hop, on va enlever du zoom et vous allez comprendre. I just cut my threads and solamente cortamos el hilo. Ahora vamos a ver cómo utiliza. Alors, vous allez poser votre fil sur l'aiguille et vous allez tourner une fois. Solamente una vuelta para hacer un muy pequeño no. Un sondage, ce sera mieux. Oui, oui, Stéphanie, dites pas de ça maintenant. Excusez-moi, c'est pas le moment. On va faire un petit sondage. Et vous allez glisser jusqu'au bout votre petit nœud minuscule. OK? So tenemos un pequeño no. Mais ce nœud, il va falloir l'utiliser exactement de la même manière. We are going to use this knot with the same manner. And vamos a utilizar este nudo con la misma manera. Alors, on va refaire un zoom. Hop. Allez, vamos. On y va. OK. Alors, vous sortez votre aiguille. Vous piquez à côté. Et vous allez passer à travers les deux fils. You pass inside the two extremities. Y pasamos dentro los dos hilos. Et là, vous coupez votre petit excédent. And you cut the thread. And cortamos los hilos. Alors, on va refaire maintenant cette roue festonnée, mais en faisant des points très, très proches. Vamos a bordar ahora y hacemos puntos muy, muy juntos. Ah, bah, il n'est pas très serré celui-là. Je n'ai pas trop l'habitude, hein, moi, de les faire. Donc, en fait, vous mettez les fils vraiment les uns à côté des autres. You put the straight very close. And ahora hacemos puntos muy juntos. Oui, j'ai chaud. Tu voudras pas qu'on peut essayer d'ouvrir un peu mon amoureux. On a des commentaires. Je te remets les commentaires. Ok. Odile dit, il faut commencer par le bord. Par le bord, par le contour, toujours. Oh, c'est la même chose que toi. Alors, on a un problème de netteté là. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Ok. Et donc, vous gardez bien le fil sous le pouce. Oui, 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 j'ai vu que je sortais. Pour les débutantes, hein, surtout, n'oubliez pas, le fil sous le pouce, c'est la garantie d'avoir une bonne tension et des points réguliers. Don't forget the thread under the thumb. Ici. Et vous tirez bien vers vous. And always pull towards you. Vous avez vu? Voilà. Et là, vous allez piquer entre le premier et le deuxième. Just go inside between the first one and the second one. Un petit coucou du garage, hein, mon homme, hein,
placer le rendez-vous aujourd'hui, obligé d'y être. Marie-Laurence, il vous fait bosser là, ça va pas du tout. Vous tournez, you turn, and you go inside. Ouf. Voilà, donc on peut, avec un gros zoom, on va faire, vous allez vérifier, vous allez voir la différence entre les deux. Tu peux faire de la netteté, je ne bouge plus. Bon, là, peu importe l'écran gauche ou l'écran droite. OK ? Voilà, vous faites comme bon vous semble, en fait, ce que vous préférez. C'est tout bon. Oui, hein, on vous dit le fil sous le pouce et ça devient instinctif, c'est plus facile. Hein. Voilà pour le point de la roue festonnée. Si vous avez, vous êtes nombreuses aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va voir maintenant le deuxième point qui n'est pas simple au niveau de l'attention. We are going to see the next stitch and vamos a abordar el... pour enlever du zoom, pardon. Voilà, ici. Nous allons voir donc le point de feston en croissant. Vamos a ver el punto de feston creciente. And we are going to see the blanket crescent stitch. Eh bien, excusez-moi, mais là, moi, j'ai trop chaud. Ouf! Voilà. Alors, il n'y a pas eu de like. Comment il n'y a pas eu de like? J'ai chaud. Voilà. Allez, on y va. Donc, vous allez prendre la couleur 844. We are going to use this color. Vamos a utilizar este color. 844. Et ensuite, on prendra une autre couleur. And after the other color. Le 844, c'est un gris. El color 844. Y, in English, the 844. OK? Mais il n'est pas brodé ce t-shirt. Ben, en fait, j'ai dû tous les envoyer chez mon distributeur qui est en train de les prendre en photo et j'aimerais bien les récupérer pour pouvoir les mettre. Bientôt, on va les récupérer. Ouais, il n'est pas brodé celui-là. Allez, on y va. Vous enfilez votre aiguille. Vous placez donc le dessin à peu près au centre. Hein. El dibujo en el centro. And the draw in the center. C'est un gris-brun, tout à fait. Alors, moi, je l'ai déjà enfilé, j'ai triché. I'm going to take my thread. Bonjour, Cécile. Bonjour. Il n'y a pas de questions pour les débutantes? Marie-Hélène, il vous donne du fil à retordre. On va regarder ensemble. Eh bien, oui, Patricia, c'est sympa d'être ensemble. J'ai du retard sur les 9 carrés, c'est pas grave. Ah ben, voilà le t-shirt dans les commentaires brodé. Allez, on y va. On va faire un zoom plus important. On met pour les gauchères. Et je vais essayer du mieux que je peux de bien me placer. Je te laisse faire la netteté. Petit coucou de la salle d'attente, donc pas le son. Anita, même dans la salle d'attente. Hello. On y va. Bonjour Dominique. Je crois que Karim a laissé la fenêtre fermée exprès. Ah, mais ouais, c'est ça, Véronique. Allez, on y va. Alors, on va prendre un repère pour savoir où est-ce qu'on doit sortir l'aiguille. You take a mark just to see where you have to emerge the needle. And tocar una marca para ver dónde vamos a salir la agora. En retour, alors, hop, vous insistez, hein, voyez, vous faites un petit trou comme ça. Et vous retournez votre cercle. Alors, vous allez, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on ne le décompose pas. Hop, vous sortez, vous prenez deux petits fils, tocar solamente uno, dos hilos. Pas peur d'abîmer la broderie avec le cercle posé dessus? Non.
Carole. La broderie, elle revient belle lorsque vous la mettez dans l'eau avec un petit coup de fer, avec une pâte mouille, et ça marche. Vous passez là. Voilà. Allez, on y va, Noémie, vous êtes prête? Moi aussi, je suis prête. Alors, il s'exécute ce point pour les droitières, de gauche à droite. It's work from left to right. Se trabaja de la izquierda por la a derecha. Vous allez donc sortir l'aiguille. Ah, ben voilà. En fait, je suis sortie exactement là où j'étais, où j'avais bloqué le fil. Donc, je recommence. I'm going to repeat. Hop. Il y a une chance sur 100. Ça se passe comme ça. Peut-être pas sur 100. Qu'est-ce qu'il dit? On joue l'auto. On joue l'auto, il dit. Ah ouais. Alors, du coup, je vais sortir juste à côté à un fil. Et vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the left thumb. Mantegar la tensión, el hilo. Por abajo el dedo, el pulgar. Alors, vous allez piquer juste sur la ligne supérieure. You go down on the top line and pinches en la línea superior. Et vous allez sortir, vous faites un tout petit point au début sur la ligne inférieure en maintenant le fil sous la pointe de l'aiguille, ok? L'aiguille passe au-dessus. You bring the needle out at the bottom and keeping the thread under the needle point. And luego saque la aguja de la parte mira inferior, un otro. Ok? Manteniendo el hilo debajo de la punta de la aguja. Et vous allez broder les points les uns à côté des autres en essayant de les faire les plus proches possibles, mais en faisant en sorte qu'ils restent verticaux et perpendiculaires au dessin. You continue like this, following the curve of the design, and embroidery the stitches next to each other. La difficulté, alors je vais le dire en espagnol et après je vais vous dire. Y seguir así, siguiendo la curva del dibujo. Mira, salir en la curva. Y bordando los puntos uno al lado del otro. Ah, vous aussi, Huguette, vous avez défait votre point. Il faut beaucoup le serrer. Fabi, plus c'est serré, plus ils sont côte à côte et plus ce sera joli. Alors, la difficulté, c'est d'avoir une ligne supérieure régulière. Mais après, si c'est pas régulier, vous voyez, là, j'ai fait un petit truc pas top, là. C'est pas grave, il y a un petit point de tige. Donc, ça va le cacher. La dificultad es de hacer una línea perfecta. Pero después vamos a hacer un punto de tallo, es decir, que si no es muy regular, no es importante. The difficulty is to make a perfect line on the top. But at the end, you can hide with a... C'était caché, c'était hide ou hard, je ne sais plus. With a stem stitch. If something is wrong on the top line, ok? Ou un point de chaînette. Oui, Nanou, évidemment, ouais, ouais. Voyez, et là je commence à réduire mes points. Ah oui, en espagnol on dit puede ocultar las irregularidades con una línea de punto de tallo ou de cadeneta en la parte superior. You hide. Hide, on dit, ouais. Regardez là, il devient tout petit. Alors, vous allez piquer le dernier point. At the end of the line, you go down. The last stitch is very smaller. And al final, puedes ver que el último punto es muy, muy, muy pequeño. OK? Caché, to hide. Yes, thank you, Judith. Voilà, j'adore, on apprend, on progresse dans les langues. Vous allez piquer ici, juste à l'intersection. You go down. At the intersection, vamos a pinchar en la intersección. Vous allez
tourner et vous allez bloquer pour changer de couleur. C'est quoi la gourde que vous faites, Célina? Je fais la même gourde. Bye bye, Marie-Claude. Travaillez bien. Est-ce que vous avez besoin qu'on en fasse un autre? Bah oui, j'imagine que oui. We are going to make the second one. Vamos a bordar un otro. Pourquoi vous dites mais non, Nadine? Vous passez à l'intérieur. Oups. Là, j'ai une petite astuce en français. Si vous n'avez pas envie d'arrêter chacun de vos points, comme il y en a un sur deux, vous passez directement au deuxième, puisque le fil qui sera derrière, il sera repris dans les points du point suivant. Ça vous évite de, ça vous fait gagner du temps. OK? Allez, on y va pour le deuxième. Hop. Donc, en résumé, vous brodez d'abord tous les gris en les faisant un sur deux. Et ensuite, vous vous glissez sous les points avec l'autre couleur. J'espère que je suis claire. Alors, vous avez vu encore, hein, vous tirez vers vous. Always you pull towards you. Closed. The fabric, tiras para ti, y siempre al lado de la tela. Il est super bien positionné l'appareil photo aujourd'hui, j'ai pas besoin de me tordre. Est-ce qu'on peut enchaîner les deux huile sans point d'arrêt, c'est ce que tu viens d'expliquer en fait, hein? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire, Noémie. Sauf que là, il y a un changement de couleur, Noémie. Hein? Alors, je vais vous montrer, comme ça, vous allez comprendre. Je finis celui-ci. Si quieres no rematar cada punto, puedes... Tenemos una de color, un otro de color. Ok? Alternando. Es decir que si quieres... J'explique en espagnol... Puedes hacer este, mira, vous pouvez piquer, you just go at the end, if you want, don't remove all stitches, regardez, et vous allez directement ici. Pour faire le suivant, et vous allez broder les uns en alternant un sur deux, et à la fin, ce fil-là sera caché par le suivant. Par le point que vous allez broder. Est-ce que je suis claire? Oui, j'ai tout compris. Il a compris, Namour. So, what I just explained, it's you can embroider just one here and, comment on dit un sur deux, j'ai oublié en anglais. One on two, and after the thread is hide by the other color. Solamente diro que puedes bordar. Un de este color alternando una cada uno y después con el otro color venir aquí et no se ve. Est-ce que c'est... Ouais, je crois que c'est bien. Et la couleur, c'était 317, ouais. Regardez. Si vous n'avez pas votre fiche technique avec vous, regardez ici. 317. Es la otro color. 317. Voilà tout le monde, je pense que c'est tout bon ce point-là aussi. Alors moi je vais arrêter directement. Et je vous laisserai finir chez vous. Un sur deux, ouais c'est ça. Je vois qu'il n'y a plus de commentaires, vous êtes en train de les enchaîner les uns avec les autres je pense. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Vous voyez? Voilà, un sur deux.
Ok. Alors maintenant, on va faire un point qui est extrêmement facile. C'est le point d'étoile. Vamos a ver un punto muy, muy, muy facile. Es el punto de estrella ou punto de estrellado. And we are going to see a very simple stitch now. This is the star stitch. Tu regardes, c'est pourquoi on ne voit plus les commentaires, c'est ça? Ok, très clair, très clair, très clair. Ok, super. Les couleurs se rapprochent pas. Les couleurs se rapprochent pas mal. Ouais, mais il y a une petite nuance, Fabi. Allez, on y va. Donc, on va faire le petit point d'étoile ici. Vamos a bordar el punto de estrellado. And we are going to make this stitch. This is the color 792, the blue one just over there. Ok? Un fil double, un hilo doble and one double thread. Vous pouvez retrouver un chat dans l'aiguille sur les réseaux sociaux. Ben oui, un chat dans l'aiguille, hein, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est super bien expliqué, tu peux pas plaire à tout le monde, mais t'expliques bien. Ah, c'est bien expliqué. Merci, Nicole. Ben, je crois que c'est parce que je parle trop, en fait. Et que je parle un peu en mélangeant les langues et tout ça. Ça doit énerver des fois un petit peu. Allez, on y va. Un fil double. Hop. J'ai dû investir dans un dé à coups tellement je me piquais toujours au même endroit. Oh ouais, moi aussi, mais moi, j'y arrive pas. Hein. Y a rien à faire, je m'abîme. Hein. Je m'abîme. Alors, très facile, hein, les débutantes, là, on y va. Alors, vous allez sortir, on va bloquer le fil d'abord. We are going to fix the thread y vamos a bloquear el hilo. Alors, regardez, là, j'y vais directement. Je vais broder mon premier point et bloquer le fil en même temps. Vous sortez l'aiguille hein, à une extrémité. Au début du trait, oups, pour les gauchères. Just emerge, hop, hop, hop. Just emerge the needle at the beginning of the line. We are going to fix and make the first stitch in the same time. And vamos a bordar y fixar en el mismo tiempo. Vous allez directement au centre. En el centro. Just go in the center. Vous tournez. Vous bloquez. Ok. Et là, donc vous avez fait votre premier point. The first one is made. El primero es ok. Et vous allez continuer comme ceci, de l'extérieur vers l'intérieur. And you go from outside to the center. Et moi, vous voyez, je vais directement en fait, je sais pourquoi j'arrive à mieux centrer aujourd'hui parce qu'en fait, c'est ça vous 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 en fichez même pas moi, c'est un vrai job hein. L'appareil photo est super bien positionné et j'ai la main qui est posée sur la table, donc je la bouge pas. Yeah! On a des vrais défis, hein, mon amoureux et moi. Salut Judith! Ça n'enlève pas que vous mélangez les langues, c'est plutôt amusant, c'est sympa, merci Judith. Alors, on attaque la suivante. Hop! En fait, on n'arrête pas, on essaie de s'améliorer et on a trouvé là un nouveau support qui tient l'appareil photo et qui me permet d'être bien en face. On s'améliore. Et oui, il y a ce qu'on ne voit pas. Ah ouais, je vous assure qu'il y a du matériel. Résumons, bienveillance, belle broderie toute colorée, beaux modèles qui font envie et me donnent bonne mine car vos broderies donnent le sourire, vidéo trop sympa. Gentil, Carole, c'est sympa, c'est cool.
Merci. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je sais plus. Quiero solamente que tenemos un nuevo material con la cámara, es porque ahora es más fácil de centrar la vidéo en el cuaderno para ver. Mais oui, il faut que je partage aussi en espagnol, sinon elles ne comprennent pas, les dames. Alors, vous piquez toujours au centre, hein? Siempre pinchar en el centro. Je vois pas, ouais. Allez, on sort directement. Salir directamente. Je ne sais pas si je vous ai dit la dernière fois, je suis allée jeter un coup d'œil à nos premiers lives avec au premier confinement. Ah, il y a du chemin. Oh là là. Est-ce que vous avez des questions si nous avons des débutantes? Ah, l'amoureux assistant, il dit qu'on ne voit pas les commentaires. Ah, bah tu me l'as dit. Ah. Il me faudrait faire le replay en plus du live. Ben, Noémie, ça tombe bien, vous pourrez la voir. Avec tes traductions en plusieurs langues, les enfants s'imaginent que je suis en train d'apprendre l'espagnol et l'anglais. En tout cas, vous allez être au poil sur dessus, dessous, devant, arrière. Bon dia, Dulcine. Non, il y a eu un petit rectificatif. On a fait une petite erreur. On fait des petites erreurs là en ce moment. On en est désolé. C'est du pointige, hein. Mais on l'a mis le petit le petit rectificatif, hein. Alors, elle dit chemin, on fait ensemble. Ouais. Attention, tu sors. Ah, je sors, il dit. Hop. Voilà, c'est le dernier. This is the last one, and es el último. Ah, si nous voulez regarder, ah ouais, c'était Space, hein. Oh, mais bon, voilà, c'est chouette. Si vous êtes toujours là, c'est trop bien. Allez, on passe. You pass inside the thread. Pasamos dentro. Et vous coupez. Alors, quelle heure il est? Il est 16h06. Si vous voulez, on peut réviser un ou deux petits points. D'abord, on va regarder ce qu'il y a à faire. Vamos a ver los otros puntos. Le replay 6 du live SL de la pochette mercerie est disponible ou pas, Joël? Alors, vous l'aurez de toute façon sur le groupe de la pochette mercerie. Le replay, il y est, hein, donc vous le trouvez. Et peut-être que Chloé l'a pas encore mis sur YouTube, mais ça ne saurait tarder. Vous nous avez accompagnés dès le début et pour beaucoup, je pense que cela a été très important. C'est gentil, Pascal, merci. Le cours Pochette Mercerie est toujours à 15h. Ouais, Chloé a fait une petite bêtise, elle a mis à 19h, on l'a changé, c'est bien à 15h. Parce que du chemin parcouru pour vous comme pour nous, bah ouais, c'est vrai que les lives ont évolué, mais toujours au top. C'est une super idée, on était trop contentes et toujours contentes des lives, on a l'impression de ne pas être seules. Ah ouais, on est tout ensemble. Alors, on jette un petit coup d'œil sur l'étape d'aujourd'hui, puis si vous avez un point que vous voulez voir, vous me dites rapidement. Oui, c'est bien à 15h. Alors, vous allez avoir donc tous ces points de feston en croissant. You have all those stitches and after the stem stitch. Ok, vous voyez, le toit, la couleur du toit est plus foncée. Hein? The top of the roof is a dark color. It's not the same color of the other outline. C'est pas la même couleur que le contour. El color de la línea superior no es, attention, hein? No es la misma que los otros. Ensuite, vous allez avoir des petits points de chaînette ici que vous travaillez de l'intérieur vers l'extérieur. Punto de cadeneta que vamos a trabajar del interior por el exterior. Le point de chaînette en rond. Ok, Laurence, on va le faire. Vous allez avoir des petits points de bouclette. Ici, du point de chaînette. Punto de cadeneta. Et puis là, des petits points de bouclette et des points de tige.
un punto de cadeneta et punto de tailleur de Lazy Daisy Stitch and Stem Stitch. Alors, on y va pour le petit point de chaînette, si vous voulez, en courbe, ok? Et puis, ce sera le dernier point. Alors, la couleur, c'est la couleur 3837. Alors, attendez, pour les personnes qui ne parlent pas le français, vamos a revisar el punto aquí de cadeneta. Punto de cadeneta 3837 and we are going to see the chain stitch of this color, ok? Sur le vase, il y a un point de chaînette. De quel côté doit-on commencer? Mamie Jo, est-ce que je vais vous le dire? Alors, attendez. Ah, ok, je vois. Vous allez commencer d'ici. We have a question. Tenemos una pregunta. Para empezar el punto de cadeneta, just to start the chain stitch, vous allez commencer d'ici, comme ceci, de haut en bas. Vous allez piquer à la fin de la ligne, bloquer le fil sous le point, et ensuite, vous allez descendre, comme ceci. Ok? Allez, on y va vite, on fait notre petit point de chaînette. Voilà, on va commencer par bloquer au milieu. We are going to work from the center to outside. Just vamos a empezar de centro. Ah, vous êtes gentille, Stella. Ça mérite un petit zoom, je pense. Allez, un petit zoom. A big zoom. On y va. Ouais, là, je ne peux plus bouger, moi, après. Hein. Bisous, Fabi. À bientôt. À bientôt, Marie-Jeanne. C'est tout bon, le zoom? Oh, mon Dieu, si j'avais des jolis ongles. Hein. Moi, je fais de mon mieux. C'est terrible, ces zooms. Hein. Alors, vous allez piquer dans le même trou. You go down on the same hole and vamos en el mismo agujero. Et vous sortez un tout petit peu plus loin sur la ligne. Hein? You emerge on the line y salir en la linea. Et ça nous fait un tout petit point. Vous tournez votre cercle. Vous piquez à l'intérieur. You go inside the stitch and emerge few millimeters after. Y salir un poquito después. Qu'est-ce que tu dis? Toujours sur la ligne. Toujours sur la ligne, oui. En la linea. Eh bien, on la salue, la copine Nadine. Vous allez toujours à l'intérieur. Regardez, le fil est sous le pouce. Always keep the tension. And el hilo abajo el dedo. Et vous sortez, vous faites des petits points et vous tournez. You turn the hoop. Et vous voyez, là, mais c'est, en fait, c'est mon doigt qui fait sortir l'aiguille. Regardez, just have a look on the needle. Je pique et hop, je pousse. Et quand je pousse, l'aiguille, elle sort toute seule. Ok? You just have to push the needle on the back of the fabric and it allows you to emerge the needle easily. Diro solamente que lo que es importante es de pousser en espagnol. Ah, je l'ai pas. Annie au secours. Annie au secours. Salir la agura con el dedo por... je ne l'ai pas en espagnol. Un momento. Perdone. Dijo que con el dedo por atrás de la tela puede hacer este yips que permite de salir la agura. Empuj. Empuj.
C'est écrit. Mpougar. Merci, Annie. Mpougar. Si, Mpougar. Stop. Ok, on continue. Empugar con el dedo detrás de la tela. Muchas gracias. On a de la traduction instantanée. Ah, vous voyez, là, regardez, j'ai un fil. C'est pas très joli. Donc, je vais régler. Tengo un pequeño problema de tensión. Hop! Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et pour finir, vous piquez après la petite boucle. Solamente un pequeño nudo, después el último punto, and just a little stitch. Yep, just a little stitch after the last stitch. Voilà, mesdames et mesdemoiselles. Oh, j'ai plein de questions à vous poser. On va faire plein de sondages avec Chloé. On a plein de questions à vous poser. J'espère que vous allez répondre. Je compte sur vous. Vous coupez. Et voilà, c'est tout bon. Alors, tu peux supprimer les points, si muy bien. Annie-Marie, elle a compris, tout est OK, merci. Karine, tu peux enlever tout ça. Donc, je vais vous faire un gros zoom, sur ce qui reste à faire. El trabajo a tu casa. What you need to do, just... Elle est belle, cette roulotte, j'adore les couleurs. Là, vous en avez une grande là, hein. And todo el trabajo que necesitas de hacer a tu casa. Salut Marie! Ah, tu débutes ta journée au Québec, je t'embrasse bien fort. Où seront les questions, Nanou? Sur Facebook, on va faire des posts, on va faire un sondage ou j'enverrai un petit questionnaire peut-être, je vais voir. Hein. Voilà, ouais, on compte sur vous pour nous répondre. En fait, on fait une petite étude de marché et on compte sur votre bienveillance. Pour nous aider, c'est important. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous pour celles qui nous suivent sur le live de mercredi pour la prochaine étape de la pochette mercerie. See you next Wednesday for the SAL mercerie. And hasta la próxima, el próximo SAL de la pochette mercerie del Pocito. Miércoles à la stress, à 3 heures. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien, bien soin de vous. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. C'est super gentil de nous suivre. N'oubliez pas de liker. Hein, c'est important pour nous. Et puis, prenez bien soin de vous. À mercredi. Je vous embrasse. Un beso. A todas. See you. Take care of yourself. Bye bye.